am going to preach on the theme. La grande consécration chrétienne. The great Christian consecration. La consécration chrétienne. The greatest Christian consecration. Le mot consacré. The word consecrate. Veut dire se donner entièrement de manière qu'on ne s'appartient plus. It's to give entirely in a way of not belonging to ourselves anymore. Lorsque vous naissez de nouveau. When you are born again. En confessant la Seigneurie de Jésus. By confessing the Lordship of Jesus. Subitement et instantanément et même miraculeusement. Instantly and miraculously. Vous cessez de vous appartenir. You cease from belonging to. Vous cessez d'appartenir à votre maman. You cease from belonging to your. À votre famille. To your family. Vous cessez d'appartenir à qui que ce soit. It ceases from belonging whosoever. Dès lors, vous devenez la propriété de Jésus. And raise when you become Jesus' property. Lève tes mains et déclare après moi, je suis raise your hands and declare la me. Propriété I de am Jésus. The belonging of Jesus. Regardez un peu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 13. 2 Corinthiens 6 13. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez vous aussi. Verset 14. Now in return for the same, I speak to children. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Ne vous mettez pas. Do not be avec les infidèles. Unequally sous un joug. Yoked together with unbelievers. What is a yoke? Ce que a yoke dans is just that dans la in the past, négrière, ou bien dans l'esclavage, in during slavery, on pouvait placer quelque chose comme un long poteau, et le bout de chacun attaché, et vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas bouger sans que l'un ne bouge. Ne vous mettez moving. Pas avec les infidèles sous un joug. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Ceci nous révèle. And this gives us la qualité de personnes avec qui nous devons marcher. The quality of persons we need to work with. En tant que chrétien, and as a Christian, je ne dois pas être sous le joug avec n'importe qui. I should not be yoked with anybody. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Les infidèles. Unbelievers. Ceci ne veut pas dire que nous ne pouvons pas saluer les non-croyants. And this should not mean that we should not salute, greet the unbelievers. Mais nous ne devons pas faire de ces gens nos amis. We should not make them our friends. De manière que nous nous mettons à faire comme ils font et à marcher comme ils marchent. In a way of doing as they do and work as they do. Quand tu regardes beaucoup de chrétiens, when you look at many Christians, tu comprendras que you notice that where they are. Ils copient totalement le monde et ils marchent comme le monde marche. They copy and walk according to the world. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Imaginez-vous que si vous appartenez à une réunion. If you belong to a meeting. Une réunion mondaine. A pagan meeting. Qui ne sont pas des chrétiens. That are not born again. Et vous vous trouvez à l'intérieur de ces réunions and et vous cotisez ensemble. Meeting and you contribute. Regardez together. Ce que la parole de Dieu look dit. What the word says. Ne vous mettez pas do avec not be unequally yoked together with unbelievers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? For what fellowship has righteousness with lawlessness? Quel rapport? What fellowship y a-t-il has entre la justice et l'iniquité? Righteousness with lawlessness. Vous voyez? Are you saying? Ceci nous montre que nous ne sommes pas n'importe qui. Et nous ne devons pas marcher avec n'importe qui. And we should not work with any kind of person. Nous ne devons pas marcher avec. We should not be with any kind of person. Nous ne devons pas fonctionner avec n'importe qui. We should not associate with any kind of person. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? For et what fellowship de has righteousness with lawlessness? Et and what communion has light with darkness? Give me attention. Même dans le mariage, even in marriage, il y a beaucoup de frères. There are many brethren, brothers, qui dans le monde, that choose any kind of person ténèbres, in the world in darkness. Et épouse, and then marry with. Et the sœurs qui disent le plus souvent. And sister who says often. Si je trouve
vois n'importe qui, je veux marier. If I see any kind of person, I will get married with him. Listen. Qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? And what communion has light with darkness? Light and darkness. Tu es déjà en Christ, né de nouveau. You are born again in Christ. Mais tu veux te marier avec un but you want to get married with an unbeliever. Ce sont des erreurs. They are mistakes. Ou avec un non-croyant. Or with an unbeliever. Elle est dans les ténèbres. Ou il est dans les ténèbres. Et tu es dans la lumière. Or he's in darkness. And de you are in la lumière light. Et les ténèbres. But what communion has light with darkness? Do you know that I noticed that often there are brothers or sisters who backslide. They go first and get married in the world avant de revenir and later on they come back to Jesus. Je prophétisais I prophesied a day here and I thought it was mommy that was prophesied and my eyes got up. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose. I look and I saw something. La sœur n'avait pas l'enfant et t'abstenait. J'ai dit, je comprends ce que le Seigneur me dit. I said, listen what. J'ai donné le nom de son mari. I give the name of the husband. J'ai dit, sister. And I said, ça fait des années tu as donné ta vie à Jésus. Since years you gave your life to Jesus. Tu étais engagé, rempli du Saint-Esprit. You were committed, full of the Holy Ghost. À cause du mariage, and tu because as retrogradé. Of marriage, you backslided. Tu es allé dans le monde. You went to the world. Prendre un non-croyant. God, an unbeliever. Et tu te maries avec. And you got married with. Maintenant, après le mariage, now, after marriage, il y a les difficultés de conception. There are delivery issues. Voilà pourquoi difficulties. Tu viens dans la foi. And that is when you come back to faith. She's très crying. Très bien. Donc vous ne mettez pas avec les infidèles. En effet, disons ensemble, 1, 2, 3, allons-y. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? Corinthiens chapitre 6. Ok, attention, verset 15. Va au verset 15. Non. Ok, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire don't you know that your bodies are the members of Christ? Shall we don't then take the members of a prostitute? I mean, don't you know? Ne sais-tu pas? Est-ce que tu ne connais pas que tes membres ne t'appartiennent pas? Don't you know that your members does not belong to you? Si tu utilises ton corps pour n'importe if quoi, if you use your body for anything, comme si ton corps t'appartient, as if it belongs to you, sache que tu es dans les erreurs, then that you are in mistakes. Ne savez-vous pas que votre corps, vos corps sont les membres de Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres de Christ? Do you not know that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of a harlot, a prostitute? Il s'agit ici de livrer son corps au péché. It is about giving its life to sin. Je dois comprendre que j'ai été consacré. That I have been consecrated par la nouvelle naissance. By the new birth. Mon corps ne m'appartient pas. And my body doesn't belong to me anymore. Mon corps ne m'appartient pas. My body doesn't belong to me mon anymore. Mon corps appartient à Jésus. It belongs to Jesus. Wonderful. Amen. Personne ne dit amen. The one is saying amen. Amen. Lisons un peu, 1, 2, 3, allez-y. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Et y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Many are not reading. Ils sont fâchés. Surtout les gens qui vont d'homme en homme et de femme en femme. Especially those moving men after men, ladies after ils ladies. N'aiment pas ça. N'aiment pas they ça. Don't like this kind of verses. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Your bodies are members of Christ. Shall I then take the members of Christ and make them the members of the harlot, a prostitute? Are you seeing this? Vous n'avez pas bien vu ça. You have not seen them. Vous ne dites pas amen parce que vous êtes fâché. You are not saying amen because you are angry. Vous êtes fâché. You are angry.
comprendre la consécration chrétienne. Understanding Christian consecration. Comprendre que je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Understanding that I do not belong to myself but to Jesus. Mon corps ou bien and I should not use my body pour n'importe or my members for anything. Je dois me méfier. I have to beware. Je dois me méfier. I have to watch out. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois comprendre ça. And I have to understand this. Je dois faire de ça une révélation très profonde. And make this a deep revelation. Je ne pars pas n'importe où. I don't go anywhere. Mes pieds ne m'appartiennent. My legs doesn't belong to me. Je ne dois pas voir n'importe quoi. And I should not watch, see any parce kind of mes yeux ne m'appartiennent. Because my eyes too doesn't belong to me. Je vous ai raconté l'histoire d'un missionnaire of a missionary qui voyageait pour la Guinée. Ils étaient, je ne sais pas dans quel pays. Who journeyed for Guinea? Il allait par route. For Guinea. Il était derrière. Je ne sais pas si c'était dans le train. He was I think in a train. Maintenant, il avait dans ce moyen de transport les dealers. Now in that transport means they were dealers. Et les gens qui jouaient aux cartes. And some playing cards. Ils jouaient le jambo. They were playing games. Maintenant, and now, le serviteur de Dieu était concentré dans un endroit et il méditait la parole de Dieu. The man of God was focused in a place meditating. Quelques heures venues, and some hours after, ces bandits ont commencé à l'intimider en disant ah. Those robbers began to intimidate him, saying, hey, tu ne joues pas avec nous. You do not play with us. Viens jouer avec nous. Come and play with us. Depuis nous jouons, since we play, and you are there with us, which kind of person are you? Le serviteur de Dieu a dit, je n'ai pas les mains. The servant said, I don't have arms. Je n'ai pas les mains. I don't have arms. Ils se sont mis à s'étonner. And they began astonishing and amazing. But you have two hands and we see that. He said, my hands doesn't belong to me. Ce sont les mains de Jésus. They are that of Jesus. Ce sont les mains de Christ. They are the hands of Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? You don't know that your bodies are members of Christ. Et vous ne vous appartenez and pas. You do not belong to yourself. Ne savez-vous pas que vous êtes la propriété de Dieu? Don't you know that you are the property of Jesus? Donnez-moi votre attention. Beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris ce que j'appelle la consécration. Many Christians who have not understood font consecration. N'importe quoi. Do any kind part of thing. Partent où ils le veulent. They go where it pleases them. Un dimanche matin. You get up a Sunday morning. Je m'en vais au funérail au village. I'm going to funeral in the village. What? Vous ne vous appartenez plus. You do not belong to yourself anymore. Vous ne vous appartenez plus. You don't belong to yourself anymore. Quand je prêche comme ça, mes yeux s'ouvrent. When I preach, my eyes get open. Et je vois les choses très terribles. And I see so things so bizarre. Il y a des frères. They are brothers. Et des sœurs. And sisters. La vie que vous menez n'est pas une bonne vie. The life you live is not a good life. Changez. Change. Tu ne peux pas parler en d'autres langues et avoir les copains. You can't speak in tongues and have copains. Copains dehors, les copines. Girlfriends. Et aller d'auberge en auberge et d'hôtel en hôtel. Moving in after in. C'est une sale vie, sister. It is a dirty life. Si je descends par le prophétique maintenant. And if I come down prophetically right mes now. Mes yeux fermés. With my eyes open je and closed. Je me mets à pointer ces gens, vous serez embarrassés. And I start pointing them out, you shall be embarrassed. Je ne veux pas vous embarrasser. I don't want to embarrass you. Je vous dis la vérité. I just say the truth. You are in Christ, but you have je a hidden friend. Ici avec des amis cachés. I'm seeing people vous êtes having hidden friends mais in the church. Monde, but in the world, qu'est-ce que je vois comme ça? What am I seeing? Wonderful. Gloire de Dieu. Glory of God. Dans mon ministère. In my ministry. Qu'est-ce que je vois comme ça? What am I seeing? Seigneur, pourquoi tu m'ouvres les yeux? Lord, why do you open my eyes? What? To see. I like. Live. Ce qui est en train de se passer en direct. The service is live. Si je découche Caprada Koski Fredetiska, les rouges caraliando Koskiron, Zirouge Caprada Ozi Kiskiria. Amen. Faites très attention. Be very careful. Faites très attention.
Watch out. Ah, tu as crié, sister. You ain't voice. Mais tu as ton ami caché. They have your hidden. Et vous vous retrouvez de temps en temps. Boyfriends. And you meet often. Over my dead body. Look at how nobody loves me tonight. They look at me with funny. Yeah, sister, yeah. You're not ashamed. Not too bad. Benye Bui. Benye Bui. Papa and Pap. Hey. Mais parce qu'il fera d'apporter les cochons. Amen. Je marche comme ça, rangé par rangé. C'est très clair. Line after line, and it's so clear before me. I assure you. Très clair. I assure you. Je marche pan par pan comme ça. I walk bench after bench. Mes yeux sont ouverts. My eyes are open. Je vous dis la vérité. I tell the truth. Je vous dis. Ne savez-vous pas comment sont des membres de Christ? Don't you know that your bodies are the members of Christ? Vous n'avez pas compris ça. Haven't you understood this? N'as-tu pas compris ça? Have you not understood this? Vous pensez que c'est tout juste la grammaire? You think it is just a mere grammar? C'est la parole de Dieu. C'est une parole vraie. It is a real word, the word of God. Vous ne vous appartenez plus. You do not belong to yourself anymore. Vous ne vous appartenez plus. You don't belong to yourself anymore. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Ou vivre n'importe comment. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 7. Shall I take the members of Christ and make them the members of a harlot? Mais loin de là. Certainly not. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Or do you not know that he who is joined with the harlot ou bien is one celui body qui with s'attache her? Oh, prostitué est un seul corps avec lui. He who is joined with a prostitute is one. Car with her. Et tu dis, les deux deviendront. For the two, we say, shall become one flesh. Donnez-moi votre attention. Give me attention. Je vous parlais dans une autre conférence de la communion avec les démons. I spoke in a different conference, the fellowship with demons. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. You don't know what happens to you. Et combien de démons pénètrent votre vie. And how much demons enter you. Lorsque, au lieu d'attendre votre moment de se marier, instead of waiting your moment of getting married, vous allez décor et vous commencez à vagabonder. And you start moving. Girl after tu girl te mets en accord. You are joined. En communion avec un non-croyant. You are in fellowship with an unbeliever. Un bandit parce que tu veux l'argent. A thief because you want money. Il te communique ce qu'il a. He communicates, he shares with you what you have. Dans les rapports sexuels. In sexual intercourse. Il y a communion. There is fellowship. Lorsque vous entretenez un rapport sexuel avec une personne, when you have a sexual intercourse with someone, il y a communion. There is ce a communion. Que la personne a, il te transmet. What the person has, he transmits it. Transmet à la personne. And what you have, you transmit to the person. Beaucoup de gens pensent que la but transmission se passe seulement pendant les maladies. Transmission takes place only in sickness. C'est-à-dire quand la personne est malade. That is when the person is sick. C'est spirituel, c'est démoniaque. It is evil and spiritual. Si la personne a, a une vie démoniaque, if the person is having a devilish plein de démons, subitement, full of tu commences à expérimenter les choses bizarres. Same things. Si vous entrez en contact en tant qu'un frère en Christ, if you get in né de nouveau, intercourse as a born again brother or sister in Christ, même le, avec une ange déchu. With a fallen angel. Elle devient votre amie et vous commencez à coucher avec elle. She becomes your friend and you start sleeping et with her. Et vous dites que vous êtes chrétien. And you say you are a Christian. Celle ou celui-ci fonctionne avec le monde des ténèbres. He or she functions with the world of darkness. Tu es fini. That's all for you. Tu es fini. That's all for you. Donnez-moi votre attention. Give me attention. Je vous ai bien enseigné. I told you.
Les chrétiens ne peuvent pas être possédés. That Christians cannot be possessed. Mais vous pouvez inviter les démons. But you can invite demons. Vous pouvez faire comment? You can invite demons. Inviter. Il y a deux manières d'inviter. And there are two ways of inviting. Par votre manque de connaissance. By your lack of knowledge. Et par la communion avec les démons. And by the fellowship with demons. Vous invitez. You invite them. Vous êtes. You invite them. Et je ne sais pas en ce qui concerne la question d'immoralité. Concerning immorality issue, devrait prendre la matière parce que si vous savez comment les affaires d'immoralité ralentissent l'église, immorality delays the church, ralentit, traîne la croissance de l'église. It delays the growth of the church. Donnez-moi votre attention. Quand vous péchez, vous êtes pardonné. When you sin, you are forgiven. Mais sachez, but note, qui peut avoir les conséquences. That it can be outcomes. Un Jean chapitre 1 au verset 9. First John 9:1-9. When you confess, he is faithful and just to pardon you. Le Seigneur te pardonne. The Lord pardons you. Mais si tu sais comment, but if you know how much le péché joue sur ta sin affects your destiny, tu ne pourras pas s'en tabouger. You will never play with that. Je vous assure. I assure you. Pourras pas t'amuser. You will never play. Vous pouvez pas vous amuser. You can never play. Si nous confessons nos péchés, il est infidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. If we confess our sins, he is right and faithful to pardon us and to cleanse us from all sins. Pour le pardon. It is equally faith for forgiveness. La foi pour le pardon. Faith for forgiveness. La foi pour le pardon. Faith for forgiveness. Refusez d'être esclave de votre passé. Denying of being a slave of your past. Ça, c'est l'opportunité que Dieu a donné aux chrétiens qui commettent des erreurs. We commit mistakes. Si vous voulez avancer, if you want to move forward, Romains, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous voulez avancer, 1 Jean chapitre 2 au verset 12. Refusez d'être esclave de votre passé. 1 Jean 2:12. Deny of being a slave of your past. Je vous ai écrit petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Recevez le pardon par la foi. Receive forgiveness by faith. Quel qu'en soit le genre d'iniquité que vous avez transporté en cette conférence, no matter the kind of iniquity you brought, recevez le pardon par la foi. Receive forgiveness by faith. Vous ne dites pas amen. Amen. Stay tuned. Apostle Pierre Patrice Caché will be right back. You can always follow Apostle Pierre Patrice Caché on YouTube by searching Apostle Pierre Patrice Caché or on our Facebook page by searching Ministère International de la Gloire de Dieu. Watching teaching time. Dans une commission, in a commission, si ces choses sont tolérées et les gens vivent n'importe comment, if those things are tolerated and people live anyhow, it becomes so weird. Le Seigneur pardonne, and the Lord forgives, mais ça fragilise, but it breaks the. Surtout si quelqu'un te demande la main et tu commences à. Especially if someone asks your hand and you start sleeping with a person. C'est une erreur terrible. It is a horrible mistake. C'est une erreur terrible. It is a terrible mistake. Je vous assure. I assure you. Et vous savez, beaucoup de gens croient que je tolère le péché. And so many think que I tolerate sin. Leadership, et dans ma manière de présenter leadership and the way of presenting. Vous m'avez mal écouté. You have listening wrongly to me. La révélation du pardon. I have the revelation of forgiveness. Si je reste comme ça, and if I am like this, vous avez
and you committed no matter kind gravité. No matter the kind of sin. Et vous me retrouvez. And you meet me. Et vous dites, oh, je suis désolé. And you start saying, I'm parce sorry. Que je me suis retrouvé. Because I found myself. J'applique la parole ici. I apply this word. Je ne suis pas obligé de vous exposer. I am not obliged to expose you. Non, vous n'avez pas bien compris. Amen. Je ne suis pas obligé. I'm not obligatory to expose en ce qui you. Concerne les sanctions. Concerning sanctions, vous pouvez confesser quelque chose. You can confess something. On vous avertit. They warn you. Une ou deux fois. Once or twice. Si tu continues pour la deuxième and fois. Alors vous méritez la sanction de 1 Corinthiens chapitre 5. Deserve the sanction of 1 Corinthians 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, rentrons toujours au verset 16. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6, rentrons au verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car et il dit, les deux deviendront une seule chair. Certainly not. Or do you not know that he who is joined with the harlot is one body with her? For les relations que vous avez en cachette, the hidden relationships you have avec les gens, with people, vous ne connaissez pas ce que ces gens vous communiquent. You don't know what they share with you. They communicate to you. C'est une maladie que de temps en temps vous avez dans vos corps. Some illnesses that you have in your body. Et vous ne parvenez pas à éradiquer. And you do not succeed to eradicate them. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Faites très attention. Be very careful. Faites très attention. Be very careful. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, et tu dis, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. He is joined to the Lord. Il s'agit ici de la communion avec le Seigneur. It is about the fellowship with the Lord. Ça veut dire la communion avec les démons. It means their fellowships with demons. Par la fornication. By fornication. Hein? Amen. Par l'adultère et les pratiques de toutes sortes d'immoralités. Adultery and the practicing of all kind of evil things. Regardez ce que vous faites même en tant que dirigeant. Look at what you do even as a leader. Portable. They get your phone. On voit les messages d'amour. And they see love messages. Je t'aime, je t'ai déjà dit que je ne t'aime pas. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? What does it mean? Non. J'ai vécu seul des années. I lived alone for years. Tu es une jeune sœur, tu ne pouvais pas avoir le courage. Yes, you were a young lady, you couldn't have the courage. Tu m'envoyais une telle stupidité. To send me such a foolishness. Si vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Si vous voulez servir Dieu, if you want to serve God and be a Christian, be. Mélanger les choses. You don't start mixing up things. Tu m'aimes encore? Do you still love me? On prend ton téléphone, on voit les choses comme ça. They get your phone and see such things. Hein? Je te dis que je ne te veux plus. I told you I don't want you anymore. Vous faites ça en tant que chrétien? You do that as Christians? No. Non, brother, non. Je t'ai dit que je ne t'aime plus. I tell you I don't love you. Ah, ne m'harcèle plus. Toi, point d'exclamation. You don't harass me. Fire! You don't behave like that. Ne vous comportez pas ainsi. You don't do that as a Christian. Vous ne devez pas faire cela en tant que chrétien. Non, do that. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Si tu veux être en communion avec quelqu'un, manifeste ce genre de communion. If you want to be in fellowship with someone, manifest this kind. Manifeste. Même si vous êtes en période de vous fiancer et de vous n'avez pas besoin de ces choses. If you are in courtship period, you don't need those kind of things. Et si vous avez une relation, quelqu'un vous
demande la main pour le mariage. And if you have a relation, et vous traitez ça dans les coulisses longtemps, sans que je ne sois au courant, and you deal, sans que votre pasteur, secret de l'église locale soit me or your local pastor, ça veut dire que vous êtes déjà suspect. It means you are vous savez ce que vous êtes en train de faire. You are a suspected person. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que les leaders soient au courant. You don't want to do, and that is why you don't want to vous jouez ce cache-cache comme ça. You play those et vous dites que vous vous préparez pour le mariage. And you say you get married, alors you get que vous êtes marriage, en train de forniquer. Meanwhile you are fornicating. Je dis que vous faites. Ne voyons pas papa maintenant. Pourquoi? You should not meet daddy now. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi, sister? Vous êtes assis là, broda. Vous m'écoutez? Ne voyons pas papa maintenant. Ne disons pas papa maintenant. Que c'est quoi? Si c'est sérieux, après un mois, deux semaines, vous allez commencer à me parler. Even after 2 weeks, you are going ne disons to pas let papa me know maintenant. De telles relations, de telles relations finissent très mal. And ce sont des relations so d'immoralité. For they are died of immorality. Ce sont des relations d'immoralité. They are relationships of immorality. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Flee sexual immorality. Quelle avait la pornographie dans ton téléphone? You have a pornography in your message d'amour. Love message. Message ceci dans ton téléphone. Still in your phone. Tu es en train de fuir? Non. Are you fleeing? No. Quand ça vient, tu dis ouais. When it comes, you say well. Tu dis même alléluia avant de regarder. You may say hallelujah before seeing, watching them. Hey, Emma écrit. Yeah, he has written. Emma, he has written. Wow. Vous voyez ça? Fuyez la pudicité. Flee sexual immorality. Flee. Donnez-moi votre attention. Give me attention. Je vous dis ça du fond de mon esprit. I tell that from the depth of my heart. Je sais ce que ça fait à l'église. I know how what it does to the church. S'il y a possibilité de taper ces personnes, if there is a possibility ce dernier to temps, those people, avec la latte, je vais vous latter. Vous tapez. With a cane, I'm going to do that. Parce que vous ne savez pas comment est-ce que ces choses scandalisent l'église. Because you don't know how et ça ralentit la croissance. And delays growth in church. In l'église. Avant que vous ne veniez ici. Before you came here. 2 mois avant le Seigneur m'a apparu dans une vision. 2 months before the Lord appeared to me in a vision. Et je dis que va à l'église, lève ta main et déclare tout le monde pardonné. He told me to reach in church, raise up my hands and pardon every déclare person. Tout le monde, personne pardonner de toute iniquité. Declare everybody de toute even impurité. Immorality, uncleanliness. Mais à partir maintenant. But from this. Punis sévèrement. Punish severely. Toute impudicité. Every immorality. Punish. Quand tu changes, ne peux-tu pas changer? As a Christian, en tant que chrétien, you receive the word every day. Vous recevez la parole tous les jours. Touch your spirit, you should be transformed. Cette parole doit toucher votre esprit et vous devez être changé. Vous devez être changé. Vous devez être changé. Fuyez l'impudicité. Fuyez sexual immorality. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Have you seen that a man does his outside the body, but he will commit sexual immorality sins against his own body. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you? Il nous revêt qui nous sommes. He reveals who ce we que nous portons en nous et nous ne devons pas but nous amener. But in us. Lève tes mains et déclare, je suis le temple du Saint-Esprit. I'm the temple of the Holy Spirit. Plus fort que ça. I'm the temple of the Holy Spirit. Asseyez-vous. Be seated. Et d'une sœur,
tu te laisses facilement emporter. When you're assistant, you allow yourself to be easily taken away. Je ne sais pas, je ne comprends pas. I don't understand you. Je ne comprends pas. Quand cette parole, la parole de Dieu sort, vous n'écoutez pas ça. Don't you hear when it comes out? Ou bien certains gens qui sont venus à cette conférence. Or some who came for this ne sont pas venus pour la conférence. Hein? Did not come for the conference, but for something else. Donnez-moi votre attention. Give me attention. On va vous attraper là au coin loin. Si vous allez voir, on va montrer l'exemple. We are going to catch you. On va vous frotter. And show you the example by flogging you. Yes. Wonderful. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. Within you whom you have from God and you are not your own. Dis, je suis la propriété de Dieu. Say, I am the property of Jesus. Plus fort que ça. I'm the property of Jesus. Je ne dois pas vivre n'importe quoi. I should not live anyhow. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Donnez-moi votre attention. Give me attention. Là-dedans, il y a une très grande révélation. Inside there is a deep revelation. Si vous avez, êtes la propriété de Jésus. If you are the property of alors Jesus. Alors il prend soin de vous. Then now he takes care of you. Je refuse d'être pauvre. I deny not being poor. Parce que je suis la propriété de Jésus. Because I am the property of Jesus. Je refuse. I deny. L'Éternel est mon berger. The Lord is je my shepherd, I shall not want. David n'a pas confessé ça. David did not confess that for nothing. Il declared and confessed with revelation because he understood la responsabilité the duty du berger sur les brebis. Of a shepherd toward the sheep. Je dois confesser ça avec révélation. And I must confess with revelation. Sachant que j'appartiens à Jésus. Knowing that I belong to Jesus. Je suis sa propriété. I am his property. Il doit prendre soin de moi. And he has to care for me. La Bible que vous portez est votre propriété. The dress that you wear on is vous prenez soin. Property. You take si je suis la propriété de Jésus. If I am the property alors of Jesus. Il prend soin de mon corps. He takes care of my body. De tout mon être. And all my beings. Dites après moi, j'appartiens à Jésus. Even after me, I belong to Jesus. Je refuse d'être fauché. I did not broke, mécontent, unhappy, brisé et malade. And sick. Acclamez fort pour le Seigneur. For the Lord. Hallelujah. Stay tuned. Apostle Pierre Patrice Caché will be right back. You can always follow Apostle Pierre Patrice Caché on YouTube by searching Apostle Pierre Patrice Caché or on our Facebook page by searching Ministère International de la Gloire de Dieu. Watching teaching time. Hallelujah. Amen. Verset 20. Verse 20. Regardez. Quand vous avez été racheté par un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body. And in your spirit, which et are vous God. Avez été racheté since you have been born par un grand prix. At a price. Hallelujah. Amen. Vous avez été racheté. You have been bought, purchased. Par un grand prix. By a great price. Gloire à Jésus. Amen. J'ai été racheté. I have been purchased. Repeat after me. Je refuse d'être possédé et lié. And I deny to be possessed and bound. Car j'ai été racheté. For I have been purchased. Il fait tout pour prouver que vous êtes sa propriété. He does everything to prove that we are his properties. Tu ne te lèves pas un matin, you should not get up in the morning and take decision as you want. Tu pars là où tu veux. Not go where you want. Vous n'appartenez même plus à votre mère. You do not belong even to your mother. Non.
Si vous comprenez cette consécration, if you understand this consecration, même en tant que ministre de l'Évangile, even as a servant of the gospel, vous aurez un ministère excellent. You will have an excellent ministry. Parce que vous avez compris, vous allez comprendre que vous avez été dédicacé. You understood that you have been dedicated. Et quand vous dédiez quelque chose à and quelqu'un, when you dedicate something to ça someone, veut dire que vous êtes devenu la propriété de cette personne. It means you have become the property of that person. Vous n'avez plus de décision. And you have no more decisions. Tu ne te lèves pas un mercredi et tu décides de ne pas venir à l'église. Ou bien vendredi. Ou bien moment de conférence. Not during the conference. Papa, j'ai fait mes deux jours. Je rentre demain. J'ai fait mes un jour. Comprendre. Understanding. Que nous avons été consacrés. That we have been consecrated. Ne vis pas ta vie chrétienne n'importe comment. Do not live your Christian life and vis ta vie chrétienne comme quelqu'un qui attend son maître. Live your Christian life as someone expecting his savior. Vis ta vie chrétienne comme quelqu'un qui attend son maître. Live your Christian life as someone expecting his master. À minuit ou bien s'il vient à 2h, je dirai quoi? If he comes now or at 2 a.m., what shall I say? Ma vie est dedans 24/24. Les gens m'arrêtent. My life is inside 24/24. Les gens m'arrêtent pour que je me repose. People stop me. Mais vous savez, après vous ici, je vais à la maison. Tu m'appelles à 3h le matin. Je prends le téléphone. If you call me at 3 a.m. in the morning, I get it for the first day. Il n'y a rien qui me plaît. There is nothing that pleases me. Rien ne m'attire. In this world, même juste à la nourriture, even food, I hate. Je vis une vie de consécration et de concentration pour le Seigneur. A focus and dedicated life for the Lord. Et concentration. A focus and consecrated life for Jesus. Ça ou ce n'est pas ça. Either that or not. En effet, donnez-moi votre attention. If I give me attention. Si vous vivez avec moi, vous êtes avec moi. If you are with me, you live with me. Vous serez très gêné. You shall be so disturbed. Parce que même les choses à visionner. Because even things to watch, even channels. Je n'ai même pas visionné n'importe quoi dans ma maison. I don't permit any channels in my home. Voilà mon petit garçon. Je suis en train de l'entraîner de manière que je veux qu'il grandisse sans connaître certaines choses. A way of not knowing some certain things. Il ne doit pas connaître qu'il existe les chaînes mondaines. He should not know that there exist pagan channels. Oui. Il ne doit pas connaître. He should not know that. Qu'il existe les chaînes mondaines. That there exist pagan channels. Il ne doit pas connaître. He should not know. Il doit connaître qu'il y a le journal et les autres. Tous les autres chaînes impures. There are journals and the others. But the unworthy channels. Je ne veux pas qu'il visionne ça. I don't want him to watch them. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans ma maison avec les mauvaises habitudes, avec le monde, with the world, je lui dis non, tu ne peux pas ça à mon enfant, va chez vous avec ça, va chez vous. Tell him of not transmitting that to my ne communique pas ça. Do not communicate that to my à mon enfant. Ne communique pas cette vie mondaine. Do not communicate that pagan life. Chez vous. Ton père vous permet de voir n'importe quoi. At home, your dad permits you to watch any kind vous êtes sur les fausses chaînes chrétiennes pour visionner toutes les choses impures qui peuvent transformer vos enfants négativement. Mais comme tu es venu avec le monde, but as you came in with the world, dans ce lieu très saint, in this holy qui est place, ma maison, that is my pars house, de chez moi avec ça. Get out of my house vous savez, donnez-moi votre attention. Give me attention. Je suis souvent très accueillant, mais parfois j'ai les conséquences. I'm so welcoming, but at times I have effect. Quand les gens viennent, because when people come, je les adopte. J'adopte beaucoup de gens, beaucoup de gens autour de moi. Maintenant, quand quelqu'un est mondain, but when someone is pagan, autour de moi, around me, ou bien il vit une vie d'immoralité, or is living an immorality life, certains se tombent dans le piège de ces gens en se disant que non, ils sont avec papa. Peut-être papa permet les choses comme ça. Daddy, or maybe daddy permits those things. Non. No. Non, je ne suis pas dedans. I'm not into those things. Si quelqu'un est mon fils, ma fille, if someone is my son or my daughter, fait les choses, sachez que
Peut-être je lis encore ma machette. Tant ça, je vais limer. Or he's doing so on body things. Know that I am sharpening my cutlass. I am still sharpening my cutlass to cut them into pieces. Parce que chaque chose a son temps. Hein. Because there is a time for everything. Vous faites des choses en cachette, mais le jour que vous êtes exposé, c'est très dangereux. But the day you're exposed, it is so dangerous. Vous faites très attention. You have to be very careful. Vous faites très très attention. Alléluia. Amen. Certains gens disent, papa, prêche nous seulement le hoye, c'est béni. Preach us hoye, bless non. us. Non, si vous venez à la conférence, if you come. Et c'est tout ce que vous allez recevoir. Imaginez-vous. And that is all what you receive. Imagine. Car vous avez été racheté à un grand prix. So you have been purchased at a great price. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Romains chapitre 12 au verset 1. Et nous sommes debout parce que nous allons clôturer. Romains chapitre 12 au verset 1. Regardez quelque chose. Romains chapitre 12. Romans 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La responsabilité de s'offrir. The duty of suffering. De s'offrir à Dieu. Of suffering, of offering himself. To God. Je disais à ceux qui chantent le gospel avec moi. I told those who sing gospel with me. Je leur disais, vous chantez avec moi, non? I told them you sing with me. Ne vous dérangez pas. Do not disturb yourself. Quand je veux, le Seigneur va me seulement vous montrer en when vision will show votre me vie. Your vous verrez ce que je vision. Veux faire de vous. You will see what I'm going to parce of que you. Vous êtes embarrassant. Because vous voulez être dans une plateforme en moi, you avec want to moi be in a platform et vivre with me. Les vies. Une vie bizarre. And live in a bizarre life. Pour souiller mon apostolat. To define my apostolate. Je vais vous remplacer. I'm going to replace. Vous ne serez plus du New Style Gospel. You shall no longer be of my team. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Ça veut dire que chacun a la responsabilité de se consacrer. Of consecrating himself. Bien aimé, vous ne vous appartenez pas. Love, même you, votre argent, belong to you. Même ce que vous avez, money, ne vous all appartient what you pas. Possess doesn't belong ça to you. Appartient à Dieu. It belongs to God. La consécration. Consecration. Même dans le ministère, even in the ministry, vous voulez effrayer ce monde. If you want to fight vous avez this world, besoin d'être un homme ou une femme consacrée. A man or a lady consecrated. La consécration et la concentration. Focus and consecration. A besoin de ça. Is necessary for every Christian. Pour le succès. Dans for le success in the ministry. Or explosion. Pour que j'arrive à ce niveau, for me to reach that level, nous avons eu tellement de persécutions. Nous we had a lot of persecutions. Non, si tu guettes ma vie, tu regardes. Promène-moi avec if une caméra. If you check my life, toi-même tu verras. You will see. Promène ma vie avec une caméra cachée. Just snap sur me la maison, a hidden camera, especially at home. You see. Tu verras. Tu verras que je n'ai pas de distraction. You will see that I have no distractions. Non, non, non. Sauf les choses de l'esprit m'emportent. Only the things of the spirit carries me. Rien ne me plaît. Rien apart me from plaît. That, nothing else. Rien ne me plaît. Nothing même else pleases me. Even s'il y a quelque chose que je hais dans ma vie, there is something I hate in life. C'est la nourriture. It is food. Je hais et je déteste. I detest and hate food. Je mange rarement parce que I eat rarely. J'ai fait des années, scarcely, des années où je payais years, les années où je faisais les 200 jours de jeûne, where d'autres I années 200 où je faisais les 360 days, jours, d'autres années les 100 jours. 100 ça veut dire que mon fasting. Système s'est programmé comme ça. It means jusqu'à my présent, system is adapted to that. Even je n'arrive pas à manger à 8 heures le matin. I can't eat at 8 a.m. Jusqu'à présent. Even now. Jusqu'à présent. Even now. C'est une consécration. It is a consecration. C'est une consécration. It is a consecration. C'est un engagement. It is an engagement. C'est une consécration. It is a consecration. Vous voulez servir Dieu
Il dit, je vous exhorte donc, frères, les sœurs, I beseech you, brethren, par les compassions, à offrir vos corps, by the mercies of God, that you present your body comme un sacrifice vivant. A living sacrifice is holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Understanding that your life doesn't belong to you. Offre ta vie. Offense your life. Toi qui es au village à tout moment. You who are in the village at all the time. Je suis déjà étonné. I'm always amazed. Je ne sais pas comment un chrétien peut voyager le dimanche. I don't know how come a Christian can travel the Sunday. Tu appartiens à Jésus. Do you belong to Jesus? Tu appartiens à toi-même. You belong to yourself. Voilà mon petit frère là-bas. Tu programmes un deuil, un enterrement. If chez you nous le dimanche matin au village. In même the village, si in my village, qui, Sunday morning, even là-bas. If it is whosoever, I will not get there. Laissez les morts enterrer les morts. Allow the dead to bury themselves. Laissez les morts enterrer. Vous devez comprendre la christianité. You have to understand Christianity and living that. Qui est le chrétien? Understanding who is a Christian. Easy. Surtout si nous voulons impacter, si especially if you have to impact and become a model. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. You present your bodies a living sacrifice. Si tu vois ce que les gens donnent à l'autel, et les gens donnent à Dieu, même maintenant, even now, tu seras déçu. You will tu comprendras que les gens n'ont pas compris la consécration. Ils donnent and you will know that they have not understood consecration. Ils donnent n'importe quoi. They give any kind of things. Lève tes mains et dis, j'ai été consacré. Raise up your hands and say, I have been consecrated. J'appartiens à Jésus. I belong to Jesus. Lève tes mains partout où tu raise up your hands where you are. Partout où vous trouvez. Dites merci Seigneur. Say thank you Lord for this moment. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Tout le monde debout, je vous en prie. Everybody stand it, please. Tout le monde debout. Alléluia. Tout le monde debout. Levez les mains partout où vous trouvez. Raise up your hands where you are. You can always follow Apostle Pierre Patriscache on YouTube by searching Apostle Pierre Patriscache or on our Facebook page by searching Ministère International de la Gloire de Dieu.